Demi Lovato, son équipe menace de l'abandonner après son overdose. Après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile, Demi Lovato va devoir faire un choix difficile. Abusant d'après pléthore de versions différentes et de démentis, la jeune chanteuse de 25 ans a sérieusement mis sa vie en danger en cédant à ses vieux démons. Toujours en pleine convalescence au centre médical Ciné Cedar de Los Angeles, l'artiste devrait revoir la lumière du jour au courant de la semaine. Oui, et mais après barre oblique. En quittant son lit d'hôpital, l'héroïne de la saga Camp Rock fera effectivement face à un réel dilemme. Soit elle retrouvera ses pénates en toute innocence, soit elle se rendra de son plein gré en cure de désintoxication. Et si cette décision lui appartient pleinement, son équipe la pousserait d'ores et déjà à sélectionner la deuxième option. Selon le magazine, certains de ses proches iraient même jusqu'à la menacer pour être sûr qu'elle prenne soin d'elle une bonne fois pour toutes. La théorie de l'overdose ayant été très tôt validée, le sang de certains n'a fait qu'un tour. Elle pourrait mourir si elle ne le fait pas, a confié une source du magazine américain, et ça ne se fera pas en ma présence, comme si on n'avait rien tenté pour elle. Au sein du staff de Demi Lovato, il se murmurerait donc qu'une démission de masse se prépare en attendant son prompt rétablissement. Si elle s'est montrée qui s'est occupée d'elle, il faut espérer qu'elle le sera davantage avec ses proches et ce, pour son propre bien.